Et Julia va nous parler d'huile essentielle et flamant rose. Oui, et ben vous allez voir, c'est lié. Tout ça a un rapport avec la santé, évidemment. On va commencer avec les huiles essentielles. Je vous conseille d'aller sur le site de référence AromaZone, uniquement des huiles essentielles bio. Il faut vraiment regarder, c'est là où vous allez avoir un vrai guide pour pouvoir connaître les vertus de chacune et utiliser les bonnes. Et vous avez également une appli qui s'appelle Guide de l'aromathérapie pour se soigner à base d'huiles essentielles. Je vous rappelle, menthe poivrée sur les tempes, c'est extrêmement important. La lavande pour éviter les poux pour les enfants. Et ça marche aussi avec les moustiques, ainsi que la citronnelle. Je voulais aussi également vous parler du Flamingo Challenge. Un challenge pour récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer. Il faut que nous fassions le flamant rose et qu'on se prenne en photo. Regardez le beau flamant rose de Céline Dion, comme elle est digne, Céline, avec son beau flamant rose. Eh bien, vous tombez bien. Vous allez faire le flamant rose avec moi. On va partager une photo de toute l'équipe de Télématin qui va faire donc ce flamant rose. Et avec le hashtag Flamingo Challenge, l'argent sera réversé dès que nous aurons fait notre publication. Alors. Donc, en fait, il faut se tenir sur une jambe, lever l'autre au niveau du genou et vous faites comme ça avec la main. Mais vous faites bien le flamant rose, Thierry. Mais j'ai été flamant rose dans une vie antérieure. Donc là, on va prendre une photo, on va se faire accompagner nos amis de l'équipe technique de Télématin. Voilà. On va tous se prendre en photo. Ça doit durer longtemps parce qu'on doit rendre à 9h20. Donc Écoutez, quelle heure est-il ? 9h18. Écoutez, on peut dire au revoir à demain. On sera tous ensemble aussi demain matin. Je vais en profiter. Dès 7h, ne bougez pas, faites le flamant. Alors.